On se retrouve aujourd'hui pour justement traiter de cette reprise. Pourquoi j'ai voulu vous proposer ce sujet? Parce que effectivement, les problématiques qu'on a rencontrées ces deux dernières saisons sont quand même assez exceptionnelles. Et déjà l'année dernière, vous vous souvenez, on avait un petit peu abordé le sujet déjà avec Christophe, puisque effectivement, on avait arrêté la saison pendant quasiment 3 mois. Et puis, on se disait qu'effectivement, avec cet arrêt-là, ça allait être vraiment compliqué de reprendre. Bon, finalement, on a repris. Par contre, effectivement, on s'est repris le deuxième arrêt au mois d'octobre, fin octobre. Et quelque part, l'incroyable est arrivé. C'est-à-dire que, enfin, je l'ai vécu comme ça, moi, c'est que voilà, pendant 6 mois, presque 6 mois, on n'a pas vu nos joueuses, nos joueurs. Il y a eu, voilà, selon les clubs, selon les entraîneurs, certains ont essayé de maintenir une activité, tout. Mais c'est vrai que arrêter notre activité aussi longtemps, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc, plus que jamais, à mon sens, il me semble intéressant de se dire, voilà, il va peut-être falloir se pencher sur la question comment bien reprendre, comment réussir sa reprise, et surtout, ben voilà, avec cette idée majeure, en tout cas pour moi, de se dire comment on va éviter les blessures. Donc du coup, ben, j'ai proposé à Christophe, mon compagnon de route, de reprendre le sujet et effectivement de vous proposer une réflexion à partir du constat de la situation actuelle, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer pour partir au mieux. Donc, je vais laisser la parole à Christophe qui va vous faire la présentation des idées qu'on développe, ou en tout cas qu'on a sur cette reprise, pour vous donner des pistes, de réflexion, des idées. Et donc, je vous propose, en termes de fonctionnement, c'est que n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en cours de présentation. Il y en a certaines, je les prendrai en relais en direct. On fera ça sous forme d'échange en direct. Donc, c'est moi qui poserai les questions à partir de vos questions dans le chat. Et effectivement, on fera en fin de présentation une séance de questions-réponses un peu plus ouverte où, effectivement, pourquoi pas, on ouvrira les micros et on pourra faire beaucoup plus d'échanges et d'interactions. Donc, si ça vous va, je laisse la parole à Christophe et Bon, bah, qui va commencer le programme. donc je vais aller chercher mon partage. Donc Là, c'est bon, c'est partagé, ouais. c'est partagé déjà? Ok, bon, En bah, tout je cas, le moi, mets je vois ton écran. en mode présentation alors. Voilà. Hop, c'est parti. Allez, hop. Ok. Donc voilà, pourquoi on s'est réunis aujourd'hui avec vous et sous l'initiative de Philippe, c'est pour essayer d'envisager une prépa physique, entre guillemets, post-Covid. Alors pourquoi je vous ai mis physique, entre guillemets, parce que pour moi, il y a une notion à mettre en place qui n'est pas que le physique. Il y a une notion de préparation mentale aussi à mettre en place. Alors peut-être que pour certains, ça parlera, pour d'autres un peu moins. Mais on va devoir travailler entre guillemets les 4 piliers de la performance. Donc il y a le côté physique. Donc on va avoir cette préparation physique de comme on voudra vous la présenter plus tard sur 22 semaines, qui intégrera la préparation technique parce qu'il me semble intéressant d'intégrer cette préparation technique et la préparation physique. Et moi, ce qui me semble aussi primordial, c'est aussi de parler de la préparation mentale, de recontextualiser la problématique des joueurs au sein de cette problématique post-Covid, puisqu'on a des enfants qui n'ont plus d'objectifs durant toute cette saison. Donc, il va falloir replanifier au sein de ces préparations physiques les objectifs de chacun, les objectifs à court, moyen et long terme. L'entraînement tactique, tout ce qui est jeu un peu plus abouti, dans un premier temps, on le mettra de côté. Alors, je vous ai mis un petit truc en vert qui, moi aussi, me semble assez important à traiter. C'est le suivi médical qui fait aussi partie des piliers fondamentaux de la performance. On peut dire que c'est le cinquième. Et cette année, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, et peut-être que vous aussi, ça vous interpelle, c'est que pour les créations de licences, on a une absence de certificat médical. Pour les anciens licenciés, on a juste un questionnaire de santé. Et pour moi, ça me semble
problématique, quoi. Il m'aurait semblé opportun de traiter au moins ce point-là et de réobliger, entre guillemets, le certificat médical pour cette période post-Covid. Voilà, donc la préparation physique ne sera pas dénoyautée, en fait, de l'entraînement tactique et de l'entraînement mental, à mon sens. Voilà. Donc, on va passer sur le constat. Donc, on sait que depuis une vingtaine d'années, les enfants, de par leur sédentarité, ont perdu 25% de leur capacité physique. Et que ça, c'est le premier constat. Un deuxième constat, on sait qu'un arrêt de pratique d'activité physique, et plus particulièrement du handball, entraîne des diminutions de performance. Donc, je vous les ai notés là. Donc, c'est pour ça qu'il nous a semblé primordial d'aborder cette préparation physique post-Covid. Hein, avec ça, c'est des chiffres qui sont identifiés au bout d'un arrêt de 4 à 6 semaines. Sur ces dernières années, on peut dire que les arrêts ont été quand même un peu plus longs. Donc, on va avoir des performances qui vont avoir baissé d'autant, voire beaucoup plus. Moi, je sais que j'ai pu identifier, bien que j'ai maintenu une activité sur la plupart de mes groupes en leur envoyant des petites devoirs de vacances, entre guillemets, à faire chez eux. Bon, on sait qu'ils ne sont pas partagés par tous, mais ceux qui les ont faits, ceux qui ont repratiqué avec moi depuis l'autorisation qu'on a eue, c'est-à-dire le 31 mars, j'ai pu identifier déjà des prises de poids conséquentes, des baisses de compétences et de performances. Donc voilà, ça c'est le constat, et c'est sur ce constat qu'il va falloir essayer de travailler et d'augmenter les performances de chacun. Donc voilà ce que j'avais proposé moi pendant le petit confinement à mes ouailles. Donc après, on sait que c'est des genres d'entraînement qui sont pas forcément lus, qui ne sont pas forcément mis en place. Mais voilà, tous les licenciés de mon club ont reçu ça à faire avec des exercices bien définis, hein, avec un peu plus de photos et d'images pour agrémenter ça. Et en plus de ça, je leur demandais de courir. Donc ça, c'était des blocs d'entraînement qu'ils devaient faire en fait 2 à 3 fois semaine avec 15 minutes de footing. Voilà. Bon, la pratique et l'assiduité à ce type d'entraînement, c'est constaté, et c'est les gens que j'ai pu retrouver dès le 31 mars qui ont pratiqué ce genre de bloc d'entraînement. Alors, on va avoir aussi excuse-moi, je te coupe, oui. Parce que j'ai une question de Simon. Là, quand tu parlais justement de prépa physique, tu fais référence à de la prépa physique avec ballon, ou justement plutôt tour de piste, enfin voilà, donc je pense que ça peut être pas mal. Je vais dire ni l'un ni l'autre, et les deux. C'est que en fait les tours de piste, je travaillais un petit peu du foncier, à savoir que c'était vraiment très léger, c'était des tours de piste d'échauffement pour faire monter le cardio et mettre en chauffe le corps. Et après, le ballon n'a servi que par intermittence, puisqu'on était bloqué, on n'avait pas le droit d'échanger les ballons. On n'avait pas le droit de tirer sur un gardien. Donc, tout ce qui s'est fait, en fait, enfin, pour moi, hein, ce qui était primordial, c'est que j'ai travaillé des choses que je n'avais plus ou pas assez le temps de travailler habituellement. Voilà. Si ça peut éclairer, j'ai travaillé beaucoup de la motricité avec ballon, du spécifique à certains postes, la proprio et beaucoup de choses comme ça. Et aussi pas mal de travail entre guillemets d'athlète, et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de réathlétisation, à savoir retrouver du travail de pied, retravailler les placements, par exemple des chaînes motrices,
les placements des épaules, les placements du coude sur le lancer. Enfin, on a travaillé, voilà, des fondamentaux qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder sur une séance hebdomadaire hein, ou sur deux séances hebdomadaires. Voilà, si j'ai pu répondre à Simon. Ouais, c'est bon, et puis sachant qu'il a dû anticiper la question pour la reprise en août, mais on en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est le petit travail que j'avais envoyé à mes padawans. Et donc, ils avaient en plus de ça donc une petite sortie footing à effectuer de 15 à 20 minutes pour essayer de garder un petit rythme. Voilà. Et justement, attends, je me suis trompé dans la réponse. Ça, c'était un programme que tu as, parce que c'était une question et j'avais répondu en direct, mais tu leur as envoyé, ils devaient le faire tout seul ou tu le faisais en direct? C'était quelque chose qui était à faire en autonomie, ça. Ok. C'est quelque chose que j'ai donné, en fait, suite à la première date de confinement pour ne pas les perdre et en espérant, en fait, que ça allait reprendre. Donc, c'était fin octobre, comme tu me disais tout à l'heure, je crois, hein, c'est ça, fin octobre, début novembre. Ouais, c'est ça. Donc, on va dire, ceux qui ont bossé, ils ont fait ça de début novembre à mi-mars. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Donc, par rapport à ces constats qu'on a pu faire sur la sédentarité qu'on a pu observer chez tous ces jeunes, généralement, il y a des prépas physiques qui sont mis en place en début de chaque saison. Et habituellement, on avait l'habitude de voir ça, c'est-à-dire un gros travail d'endurance. Après, on travaillait la force. Et quand on avait travaillé la force, on travaillait un petit peu la vitesse. Sauf que l'activité handball ne se caractérise pas par des travaux d'endurance et de PMA, bien qu'il fasse la travailler. Et donc, ça, c'est un modèle qui est obsolète et non avenu à cette caractéristique sportive du handball. On va être plutôt amené à travailler par rapport à la logique du handball, donc travailler plus et plus souvent la vitesse, toujours la force en deuxième. Par contre, l'endurance, ce n'est pas des travaux qu'il va falloir effectuer constamment. L'endurance, pour moi, c'est un travail d'entretien cardiologique. Voilà. Par contre, l'endurance, on va la retrouver plus tard hein, par rapport à une succession de travaux de vitesse. Hein, c'est l'enchaînement de courses à haute intensité qui va nous permettre de maintenir cette endurance sur un travail très spécifique et très courant. Donc, voilà la logique qu'on devrait pouvoir faire et aborder sur une activité de prépa physique spécifique au handball. Maintenant, on a le contexte actuel qui fait que avant de travailler la vitesse, avant de pouvoir courir, on va devoir apprendre à marcher puisque nos joueurs, ils n'ont pas fait d'activité pendant longtemps. Donc, avant de travailler le sprint, il va falloir travailler tout ce qui est réathlétisation pour pouvoir éviter les blessures. Et c'est pour ça que nos ressources seront optimisées si on a un gros travail de prophylaxie. Donc, il va falloir travailler beaucoup sur, avant tout ça, sur les fondamentaux, sur du gainage, sur la proprioception des chevilles, proprioception des genoux. Et par la suite, quand on aura effectué toute cette réathlétisation, on conservera toute cette proprioception et on pourra même travailler sur la proprioception, des articulations des chaînes hautes, c'est-à-dire les épaules. Voilà. C'est bon? Il n'y a toujours pas de questions, ouais. Félix? Je continue. C'est bon, t'inquiète, je te dis. Voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, les filières et par rapport aux travaux qui ont été faits, on travaille souvent, nous, l'endurance, donc ce qui est la courbe rouge. Et en fait, on va pouvoir, nous, acquérir cette courbe rouge en tant qu'handballeur en travaillant plus souvent sur les filières bleues, c'est-à-dire les filières d'aérobie halactique. Alors, bon, ça parle pas à tout le monde, mais c'est tout ce qui est sprint à haute intensité. Donc, si on répercute et on reproduit souvent ces,
ces schémas et ces filières, on travaille beaucoup sur ces filières, on va pouvoir aussi développer en fait notre puissance aérobie. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un peu compliqué, mais il faut garder en mémoire que en superposant ou en multipliant en fait les efforts à courte intensité, on va aussi travailler notre capacité aérobie. Voilà. Et du coup, alors limite, j'en profite pour poser une question. Donc, ça veut dire que ces périodes courtes, c'est là où on les travaille sur les intermittents, c'est-à-dire que c'est là où il faut travailler du 30-15, du 15-15, ou c'est à ce moment-là, c'est ça? Exactement. OK. Exactement. Même, je dirais, bon, le 30-15, c'est très bien, mais moi, j'irais plus encore sur des efforts plus courts. Hein, par exemple, pour le recontextualiser, sur faire du 5-10, sur je me fais faire une action défensive, je contre, je me replace à 6 mètres, je vais monter à 5, à 9 mètres, pardon, pour contrer, je redescends. Tout ça, je travaille sur des actions handballistiques, mais très courtes, sur une ou deux actions de contre, par exemple, et de replacement à 6 mètres. Donc sur du 10-5. Après, on peut faire des actions de montée de balle ou de contre-attaque en 20-10, par exemple, et les enchaîner. Et cette répétition d'efforts fera qu'on sera en capacité de le reproduire plus longtemps et qu'on fera varier cette courbe rouge et l'augmenter. Voilà. Je Ok. ne sais pas si c'était clair pour tout le monde. Écoute, a priori, je pense que oui. J'entends que ça bip. Ok. Non, c'est les arrivées, les bips. D'accord, ok. Oui. Donc j'enchaîne. Ouais, alors j'ai juste Donc une voilà. question, justement, j'en profite, parce qu'avant de. C'est que, tu vois, il y a Nico qui demande si c'est pas trop dangereux de commencer par un cycle de vitesse. Alors, j'ai bien précisé que le cycle de vitesse, il doit être fait après avoir réappris à marcher, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout ce cycle de réathlétisation avant. Hein. On va pas taper un 100 mètres sur la première séance de préparation physique, quoi. Il y a tout ce travail de réathlétisation, de prophylaxie à mettre en place avant. C'est ce que j'explique après. Ok, bah du coup, je sais pas, Nico, si ça répond un peu à ta question. Et puis surtout, bah voilà, si dans ton développement, peut-être ça donnera des éclairages supplémentaires à Et donc, Nico. oui, Ouais. le travail de vitesse, effectivement, il doit être primordial. Après, il doit être construit de cette façon-là. Ça ne nous empêche pas, comme je disais tout à l'heure, de mettre un entretien cardio-respiratoire et d'aller faire courir à côté nos jeunes. Hein. Voilà. Donc, le travail par rapport à tous ces constats, il va falloir donc faire une préparation physique et surtout être très, très attentif à la prophylaxie. Donc, aux préventions des blessures. Et pour ce fait, il va falloir, outre les qualités physiques et respiratoires qu'on va devoir donc travailler aussi, hein, il faudra développer certaines compétences. Donc ça, c'est l'apprentissage et la correction des gestes à risque, les placements des genoux sur des exercices de pliométrie, par exemple, hein, ne pas faire en sorte que les genoux soient vers l'intérieur, mais bien stabilisés. Développer l'équilibre par la proprioception, hein, des petits jeux. Voilà, je mets sur une jambe, j'écarte les mains ou je les pose en croix sur mon torse, je ferme les yeux, j'essaye de créer une déstabilisation du corps et je réagis par rapport à celle-là. Voilà. Tout ce qui est qualité de gainage et de renforcement des muscles, des ceintures abdominales et scapulaires. Hein, parce qu'on a des relâchements induits par la non-pratique du sport là, pendant ces 6 mois. Donc, il va falloir regainer tout ça. Donc, alors, il y a un travail qu'on voit souvent hein, abdominaux. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a du gainage simple, hein, les planches qu'on peut voir. Donc, ça, c'est du gainage statique. Mais il y a aussi tout ce qui est gainage dynamique avec des petits élastiques, des élastibandes, ce genre de choses, ou avec des poids posés. Sur des jambes, sur des bras, créer un déséquilibre. Par exemple, vous êtes en planche latérale, les jambes souvent vertes en ciseaux, on pose un plot pour les très jeunes, on peut même poser après un poids sur la jambe, essayer de maintenir cette jambe à une certaine place en gardant le plot posé sur la jambe. Voilà, ça peut être un exercice de gainage
et qui vous permet de travailler les muscles qui renforcent tout ce qui est ceinture abdominale et pour cet exercice-là. Et puis après, il peut y avoir des exercices aussi de renforcement des ceintures scapulaires. Voilà. Et donc, quand on a identifié tout ça, moi, ce que je propose, alors c'est ma conviction, hein, il n'y a pas de certitude, mais moi, ce que je vous propose, c'est de travailler pendant 4 semaines sur un programme de réathlétisation. Et pour ceux qui ont suivi vos entraînements, s'il y en a certains, voilà, hein, c'est un programme d'entretien qui sera toujours nécessaire. Donc, c'est des séances courtes, hein, pour pouvoir redonner du temps à tout le monde de se remettre à niveau. C'est des séances qui s'articulent autour d'un schéma global de 45 à 1 heure de temps de travail. Après, on sera sur un travail de préparation physique spécifique de 2 semaines, où là, on mettra 3 séances hebdomadaires, où là, ça sera un peu plus… vraiment de l'athlétisation et puis de la réathlétisation. On commencera à mettre de l'intensité de tout ce que l'on fera. Et là où il faudra encadrer vos joueurs. Donc, si la première partie est en autonomie, toujours. Alors, elle peut être en autonomie, elle peut être faite aussi en suivi. C'est bien aussi d'impliquer les gens. La contrainte de l'autonomie, bah, c'est hein, comme on est tous au courant, c'est de la mise à l'écart de certains qui se disent, bon, non, de toute façon, je suis pas suivi, je vais pas le faire. Donc, peut-être en cette période un peu spéciale de reprise post-Covid, peut-être que cette phase de 4 semaines aussi, il faut l'encadrer. Ça dépend du public que vous avez, ça dépend de l'implication de vos joueurs. Petit aparté, moi, j'ai fait un état des lieux des gens présents. Sur les différentes catégories, sur les catégories qui ont été les plus présentes depuis l'ouverture à la pratique fin mars, les catégories qui ont été les plus présentes sont les ados. Et ça a été pour moi et pour mon club à hauteur de 65% des licenciés habituels. Par contre, j'ai des catégories qui sont tombées à 10-15%. Donc, pour ça, est-ce qu'il faudra poursuivre l'autonomie? Est-ce qu'il faudra, sur ces 4 premières semaines, remettre de la présence des éducateurs bénévoles ou professionnels? C'est à vous de voir. Moi, je serais tenté de dire que peut-être qu'il faudrait mettre quelqu'un à l'encadrement. Voilà. Et ne pas faire des séances trop longues. Les multiplier peut-être dans la semaine, mais ne pas faire des séances trop longues. Voilà. Donc après, donc il y a cette deuxième phase de prépa physique généralisée où là on va travailler effectivement bah, hein, tout ce qui est endurance, résistance, vitesse. On va mettre de l'intensité. Et une quatrième phase qui sera une préparation physique orientée sur notre activité le handball. Voilà. Et moi, je vous conseille de l'articuler autour de 2 tests d'évaluation pour essayer, sur le premier test, d'identifier les lacunes et les carences de chacun, de construire votre programme par rapport à ça, même s'il est préétabli à la base, mais de pouvoir le réguler par rapport à ça, et de faire un constat terminal qui vous permettra de juger de la pertinence de votre travail et de voir de l'évolution des compétences de chacun. Voilà. Donc le travail, il va être articulé autour de ces 5 points. Donc un travail de VMA, un travail de gainage, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, donc gainage du tronc, gainage ceinture abdominale et ceinture scapulaire, pour pouvoir justement réhabituer le corps aux bons gestes et un bon transfert des forces. Un travail de renforcement de l'explosivité, parce que on sait que l'explosivité, c'est primordial au handball, mais un travail par pliométrie. Donc, contraction, des contractions,
Alors, moi, je prendrai un travail de pliométrie excentrique. Voilà, je ne sais pas si ça parle à certains, mais on pourra éventuellement éclairer les gens par la suite. Vas-y, développe parce que moi, ça ne me parle pas du tout. Hein. Alors, la pliométrie, en fait, c'est Ah oui, la garder, pliométrie, si. c'est garder une concentration musculaire. Et par exemple, tu vas contracter ton biceps et mettre un poids au biceps pour essayer qu'il résiste à cette charge. Voilà. Donc, généralement, on a la pliométrie concentrique, c'est quand on va faire un mouvement de contraction comme ça. Je ne sais pas si vous me voyez. Ouais, moi je te vois. Ça, c'est du concentrique. Par contre, si on est en excentrique, on va contracter son muscle là et on va mettre un poids au bout de sa main. Et ça, c'est l'excentrique, c'est résister à une force additionnelle, on va dire. Voilà. Et donc après, beaucoup de proprios, à mon sens, sur tout ce qui est articulation qui sert au handballeur, pour éviter les blessures, parce qu'on a vu aussi que il y a des statistiques qui ont été produites, pas sur l'année passée, mais sur l'année d'avant, où on avait été encore un peu plus épargné, on avait fait un peu plus de handball. On avait identifié un taux de blessure 7 fois plus important qu'à l'habitude. Donc, il va falloir être très vigilant pour cette reprise et faire un gros travail de proprio au niveau des chevilles, tout ce qui peut être entorse, mais aussi rupture des tendons d'Achille. Moi, je sais que j'en ai eu un sur mon club l'année passée, hein, quelqu'un qui revenait après une période d'arrêt de 3 ans, qui a repris comme un fou, qui a voulu partir en sprint et qui a laissé un tendon sur le gymnase. Beaucoup de travail de genoux aussi et du travail de la ceinture scapulaire et de l'épaule. Donc, travailler renforcement de la coiffe des rotateurs, hein, tout ce qui est sur la partie supérieure de l'épaule. Et après, ce qui me semble très important, une préparation physique spécialisée handball, et par niveau d'âge. Par niveau d'âge et aussi, je pourrais rajouter peut-être aussi par niveau, par tranche d'âge. Parce qu'il va falloir, à mon avis, faire, si c'est possible, des entraînements, entre guillemets, personnalisés. Il va falloir adapter la charge de travail à chacun, puisque, comme moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que vous allez être aussi concerné par tout ça. Vous allez avoir des enfants ou des adultes qui ont pratiqué un petit peu et d'autres qui n'ont rien fait du tout. Donc, on ne va pas pouvoir demander la même charge de travail à tous et à toutes. Voilà. Toujours pas de questions? Je peux enchaîner, Philippe? Ouais, sachant qu'il y a des questions, mais je réponds à peu près au fur et à mesure. Et puis, il y en a que je garde pour la fin, notamment sur les outils d'évaluation de tout ça. Enfin, donc voilà, je voulais faire un pot groupé autour de ça. Il y a Vincent qui a demandé, effectivement, vu que notre proposition est de faire un programme sur 10 semaines, c'était ben, du coup à quel moment on se doit se faire la reprise. Donc là, j'ai pareil répondu dans le chat. Effectivement, dans le programme, on propose à partir du 19 juillet. Mais sachant que c'est quelque chose de totalement modulable en fonction de votre nombre de séances, et sachant que dans la première phase que Christophe a expliqué tout à l'heure, c'est que la première phase, elle est entre guillemets individuelle ou pas, hein, selon vos possibilités, mais c'est a priori une phase qui peut être faite par les joueuses et joueurs directement. Donc voilà, mais en tout cas, et j'irai même un peu plus loin, en tout cas après avoir revu moi mes filles depuis 15 jours, c'est que il faudrait presque ne pas s'arrêter depuis maintenant. C'est-à-dire que voilà, si celles et ceux qui ont la chance, qu'on a la chance de voir, qui ont repris depuis que c'est possible de reprendre, il faut vraiment les inciter à ne pas s'arrêter, même s'il y a une période de congé, même si effectivement au mois de juillet, août ou mi-août, il y a beaucoup de clubs qui sont fermés. C'est vraiment inciter, je pense, hein, Christophe, tu me diras ce que tu en penses, mais vraiment insister à un maximum les gens à avoir une certaine continuité avec ou sans nous, quoi. C'est pour ça aussi que j'avais mis dans la présentation ce que j'avais proposé moi mes jeunes, savoir les petites séances de 30 minutes là, avec beaucoup de proprio, de renforcement sur des temps de travail qui étaient de 3 minutes. Donc ça serait bien de pouvoir le transmettre et de dire à vos licenciés si possible, de l'effectuer trois fois par semaine avec une petite sortie pour aller courir ou une activité natation ou une activité VTT. Essayer de remettre
remettre des objectifs à chacun, remettre de l'envie aussi, parce que avec cette période compliquée pour tous, et c'est pour ça que j'en ai aussi parlé, on a la motivation de tout à chacun qui a été un peu ébranlée. Et donc, cette motivation, elle peut se travailler en fixant des objectifs. Alors, peut-être pas des objectifs de performance, mais des objectifs de qualité de travail et des objectifs, voilà. Hein. On oublie la performance, on va plus courir le 100 mètres en 12 secondes, mais peut-être qu'on va s'atteler à courir un 100 mètres tous les jours à 13-14 secondes pour pouvoir, à la reprise, être capable de courir le 100 mètres en 12 secondes. Voilà. Ça marche, donc du coup, tu peux enchaîner, je pense qu'en tout cas, sur… Donc voilà, moi, ce que j'ai essayé d'établir, ce qui me semblait opportun de travailler par rapport aux objectifs généraux, j'ai essayé de les catégoriser. Alors, on aurait pu en faire plus. Moi, j'ai décidé de regrouper des tranches d'âge et des niveaux de jeu. Alors, bon, ça peut être modulé, ça peut être adapté. Voilà, moi, ce qui me semblait nécessaire à faire pour les catégories les plus jeunes. Voilà, on peut commencer la réathlétisation, hein, tout ce qui est préparation physique préventive dès le plus jeune âge. Alors, je n'ai pas mis, bien sûr, les écoles de hand, mais ouais, eux, on va les mettre en activité sur des activités variées. Mais dès les moins de 11 et les moins de 13, on peut faire ce genre d'activité corporelle. Voilà. Donc, là, que, comme vous voyez… Excuse-moi, Christophe, mais effectivement, il y a eu des remarques dans le chat, notamment, je crois que c'était Jean-Jacques. Effectivement, tu vois, même chez les jeunes, il y a des problématiques. Effectivement, les jeunes qui sont essoufflés très vite aujourd'hui, même dans des moins… Donc, Jean-Jacques parlait de moins de 15. Moi, on a évoqué des moins de 12 qui sont d'habitude des piles électriques qui courent partout, qui commencent à tirer les langues aussi. Donc, c'est vrai que les problématiques, en fait, elles concernent toutes les catégories d'âge, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de lister, d'identifier. La liste n'est pas exhaustive, hein, mais ça m'a semblé être les objectifs généraux, les primordiaux. Et puis voilà, les gestes à préconiser et à travailler en priorité sur la préparation physique préventive. Voilà, donc je pense qu'on peut déjà chez les jeunes se remettre, fixer des objectifs, pas forcément de performance, mais d'ambition, remettre des petites règles d'hydratation, parce que bon, on sait que les jeunes ont du mal à boire. On peut travailler sur la rigueur, hein, le respect des règles, le respect de l'entraîneur, le respect des consignes, ne pas faire rebondir son ballon quand l'entraîneur parle. Voilà, des choses basiques. Jamais, ça. Ça arrive jamais, ça. Très peu, mais bon, voilà, on peut rappeler les règles fondamentales. Voilà, et donc ça, je vous les ai listés sur trois types de catégories, donc que j'ai regroupé, hein, ce qui me semblait le plus pertinent. On stresse, donc à un niveau départemental. Après, on passe sur les moins de 15, un niveau régional, où là, pourquoi je ne vous ai pas mis les moins de 18? Parce qu'on a tout ce qui est transformation corporelle de l'adolescent, donc c'est assez spécifique. Et donc, bien sûr, il faut… On essaye de poursuivre sur ce qu'on a travaillé en moins de 13, mais on rajoute la préparation des moins de 15. Donc, c'est un peu plus corsé, on va dire. Mais on travaille un peu plus spécifiquement dans chaque compartiment. On est un peu plus dans l'intensité, dans le physique, alors qu'avant, on était plus dans le ludique. Et puis après, on bascule chez les moins de 18 et les seniors. Et on va, entre guillemets, du niveau régional et on va jusqu'au niveau national N2, N3. Après, c'est une autre problématique. On commence à être sur du semi-professionnel, la L1 et puis la D2 et la LNH, on n'en parle pas. Hein. C'est tout à fait autre chose, même si eux doivent avoir en vue toutes ces problématiques aussi. Alors, eux, ils n'ont pas eu, ou certains, peu d'arrêts. Mais on a vu aussi chez les pros hein, beaucoup de blessures post-Covid. Et juste une question voilà. Là, en voyant le tableau. Justement, là, par exemple, pour les seniors départementaux, comment tu les positionnes? Alors, ouais, là parce que j'ai mis régional au national. Voilà, parce que c'était un niveau d'exigence qui était plus,
plus élevé, entre guillemets. Mais on peut avoir la même exigence avec ces seniors départementaux ou des débutants ou des loisirs, mais on va moduler après l'intensité qu'on y met dedans, quoi. Ok. J'ai juste une question de Nico qui demande peut-être si tu pourrais revenir peut-être à... que... Oui, vas-y, vas-y. Non, qui demande si tu pourrais revenir à la diapo précédente, s'il te plaît. Hop, c'est vrai. Voilà. Donc, je sais pas, Nico, est-ce que tu as une question particulière par rapport à cette diapo? Non, ben, je crois que c'est bon. Du coup, merci. Tu peux embrayer. Voilà, je peux aller laisser un petit peu. Donc voilà, après, j'ai mis des petites notions. On voit chez les jeunes, moi, j'ai mis l'hydratation, alimentation, récupération, sommeil, parce que je vois beaucoup de gamins actuellement qui ont des petites montres Fitbit ou diverses marques pour essayer de voir s'ils ont dépassé au niveau cardio, s'ils ont fait leurs 10 000 pas par jour. Je sais que moi je l'utilise, hein, ça a du sens. Hein, et donc je pense que c'est important aussi à réapprendre certaines choses par rapport à ça. Ok. Voilà, donc pas de question par rapport à ça, c'est suffisamment clair. Donc bien sûr, il y a une montée en compétences. Au début, c'est très cadré et de plus en plus, on monte en autonomie, même si l'éducateur doit être là pour réguler, et en cette période, c'est d'autant plus important, réguler le mauvais geste potentiel. Voilà. Ce qu'on peut retrouver, par exemple, sur la pliométrie, où, par exemple, on va se positionner sur un banc, on va produire une concentration musculaire, on va sauter en bas du banc et on va avoir des genoux qui vont rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est des choses qui sont facilement visibles et si on les identifie, on se doit, nous, en tant qu'éducateurs, corriger puisque c'est ces problèmes à entorse du genou et pire, rupture de ligament, quoi. Voilà, voilà. Ok. Et donc, je vous ai refait un petit tableau là pour voir ce qu'il faut travailler. Je ne sais pas si c'est plus parlant pour chacun. Ce qui m'a semblé être intéressant parce qu'on peut voir ce qu'il faut travailler plus chez certaines tranches d'âge et un peu moins chez d'autres. Voilà. Juste là, attends, excuse-moi, ouais. Tu peux revenir ouais, sur l'appareil concentrique statodynamique, tu peux développer sur notamment muscu et charge, parce que là, tu vois, ça c'est une question importante. Sur la muscu et les charges, est-ce que justement à nos niveaux, on a intérêt à aller sur de la muscu avec charge ou de rester avec de la muscu, par exemple, de poids? Alors, l'isométrique, donc c'est une conservation d'une même concentration musculaire. Oula. Et concentrique, bah, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. En fait, c'est par rapport à un travail de biceps, un rapprochement des poignets au niveau des épaules. Donc là, on concentre le muscle. Et statodynamique, donc c'est par rapport à un mouvement effectué et au dynamisme du muscle produit sur cette posture, entre guillemets. Alors moi, ce que je conseille… au niveau auquel on peut jouer jusqu'à certains niveaux, travailler avec charge, faut voir avec quelle charge. Moi, je préfère travailler avec tout ce qui est élastique. Hein, la résistance est modulée par l'élastique et elle n'arrive pas d'un seul coup sur le muscle ou sur l'articulation. Donc, on trouve un petit peu partout maintenant des élastibandes ou même des élastiques plus ou moins épais qui représentent une charge ou si on peut dire plutôt une résistance chargée entre guillemets. Il y a des élastiques qui résistent à une poussée de 10, 15, 20, 25, 35 kilos. Moi, je sais que j'en ai fait acheter à mon club là pour préparer la reprise et donc ça se trouve un peu partout hein, dans divers magasins, que ce soit Decathlon, même des magasins de grandes enseignes, on en trouve un peu partout et à des coûts peu élevés. Voilà. Moi, je préconise pour tout ce qui est proprioception, renforcement musculaire, un travail, si ce n'est sans charge, à charge réduite. On peut travailler, par exemple, avec des medicine balls aussi à 3-5 kilos pour le travail de rotation du buste. Voilà. Mais après,
travailler avec Alter, avec barre de charge. Déjà, tous les clubs n'en sont pas équipés, pardon. Et on peut faire sans. On peut travailler à poids du corps. On peut travailler avec le poids du partenaire, par exemple, hein, renforcement des cuisses. On peut prendre quelqu'un sur ses épaules et puis faire quelques courses en sac, entre guillemets. Ça peut être intéressant. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une salle de muscu pour travailler du renforcement musculaire. Et juste une question là, par rapport aux élastiques, mais c'est une autre problématique et c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait envisager pour le futur parce que moi je trouve, alors je sais pas si je suis le seul, mais que travailler aujourd'hui avec des élastiques, c'est pas si simple que ça, c'est pas si accessible que ça. C'est en gros parce que l'idée pour moi, c'est pas forcément de dire tiens, on a une série d'élastiques et tu le montres à tes joueuses ou joueurs et tu leur dis ah ben voilà, démerdez-vous. Est-ce que tu crois? Oui, parce qu'il n'y a pas de référentiel pour l'instant avec des exercices appropriés, peut-être, c'est ça que tu veux dire. Ben c'est ça, mais puis même pour expliquer… Alors ça se trouve, après il y a des choses qui ne sont pas très compliquées produire. Hein. Par exemple, excuse-moi, laisse-moi aller juste au bout. C'est que est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, mais ça c'est une question en l'air comme ça tout de suite, à imaginer se faire un petit webinaire sur l'utilisation des élastiques. Parce que ça peut être un sujet à part. C'est un sujet vraiment en soi, je trouve, personnellement. Ouais, enfin voilà, c'était ça, juste une réflexion. Ça peut être intéressant. Après, je te dirais, Philippe, il faut être après assez curieux et puis aller voir, hein, ça se trouve. Par exemple, pour donner une idée à certaines personnes, par exemple, on voit souvent des gens travailler du gainage. Du gainage classique, hein, on se met du statique justement, on se met en planche, que ça soit facial, latéral ou dorsal. Mais on peut par exemple rajouter ça avec un petit élastibande. Et là, on travaille du dynamique. On va mettre un élastibande autour de ses deux chevilles, par exemple. On va faire une planche latérale et puis on va demander de conserver un écart au niveau des jambes. Et déjà, on est dans du travail avec élastique, qui n'est pas très, très compliqué à mettre en place. Mais voilà, ce genre d'exercice où on va se mettre, on va travailler un peu la proprioception cheville-genou, on se met en équilibre sur une jambe. Et puis, on va tendre un élastique avec le copain en face qui est lui en récupération et qui va, il va essayer de tirer, nous déséquilibrer. Et nous, on va résister à ce déséquilibre. Voilà, c'est ce genre de travail qui peut être produit. Non, mais du coup, il y en a plein d'autres. Mais je pense qu'il y a un sujet intéressant à développer. Quoi. Effectivement. Ouais. Donc voilà ce qu'on peut travailler. Voilà. Et puis, pour me donner une petite idée, voilà, moi, j'organise des stages de reprise fin août. Et c'est ce qu'on a mis dans la proposition papier et numérique qu'on vous propose, voilà, c'est l'organisation de stage type. Donc, moi, je l'organise à côté de chez moi. Donc, on a une base de loisirs avec un hébergement sur place. Voilà comment il se déroule. Donc, c'est un stage sur 5 jours. Et cette année, on a décidé d'intégrer autre chose parce que ça me semblait primordial. Donc, moi, on a 72 gamins. On a fait 4 groupes de 30, de 18 enfants, pardon. Et sur les temps d'activité de plein air, parce qu'il en faut aussi pour déconnecter, on a décidé de mettre en place aussi des ateliers de préparation mentale et diététique. Voilà, ce qui nous semble aussi primordial dans cette reprise un peu spéciale. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions là-dessus, je vais passer. Hop. Et voilà une séance type que je vais moi mettre en place au niveau de ce stage et de la saison à venir. Donc voilà, vous avez un temps d'échauffement, donc cardio-respiratoire et essentiellement et articulaire. Hein. Et après, donc le bloc 1 qui sera ce que je vous disais tout à l'heure, un travail de vitesse. Hein, travailler des intermittents. Et tu vois, comme je te disais, Philippe, on travaille sur du 30-30, du 40-20, pardon, mais aussi sur du 20-10 plus court et du 10-5 sur des placements défensifs et du contre, par exemple.
Donc après deux situations basiques handball d'apprentissage. Et je vais entrecouper ça de chaque fois des séances, des blocs de gainage et de proprioception. Et de renforcement excentrique. Voilà, une situation, hein, une conception de séance, entre guillemets, basique, hein, que vous mettez sûrement tous en place. Voilà, peut-être pas actuellement avec ces propositions grises que je mets ici, mais bon, vous aviez vos trois types d'exercices, votre situation de match. Et donc, pour renforcer tout ce qui est proprioceptif et prévention des blessures, voilà comme ce que je vous propose, moi, c'est d'intégrer ces petits blocs de renfort et de coordination et de gainage entre certains temps de handball. Voilà. Ok. Voilà, et n'oubliez pas avant de finir que chaque individu est unique et qu'il a sa propre stratégie de réussite. Hein. Ça, c'est un petit peu le préparateur mental qui parle, mais voilà, que chacun doit y aller à son rythme. Alors, vous, il va falloir, c'est ce qui va être le plus dur, c'est essayer de trouver un rythme le plus commun possible, mais n'oublions pas qu'on doit faire, comme disent. Les professeurs des écoles et les professeurs de collège, de la pédagogie différenciée. Et juste, Voilà, voilà. a priori, donc il y a Claude qui suit vraiment bien, t'as sauté de diapo, non? Je sais pas. Là, Celle-ci, ouais. voilà, ouais. Voilà. Donc, oui, à la limite, ça c'était parce que l'idée c'était de conclure assez rapidement là pour laisser un petit temps de questions-réponses. Sachant que justement, on va peut-être aborder les questions. Je pensais que tu l'aborderais. C'est revenu plusieurs fois. Effectivement, les questions de l'évaluation de tout ça développe un petit peu par rapport à la façon dont on l'a construit et ce qu'on propose. Voilà. Alors, je vais me remettre, je vais arrêter le partage. Hop. Tac. Hop, voilà, je ne sais pas si tout le monde me voit. Oui, donc on va vous mettre, on a mis en place et on l'a déjà fait vivre, enfin surtout moi, une série de tests. Donc il va y avoir un premier test pour juger tout ce qui est PMA de vos joueurs et vos licenciés. Donc on va vous faire faire le test Martin Buchheit. Donc c'est un test de calcul du volume maximal aérobie. Donc, vous aurez une bande son qui vous sera donnée et vous aurez une grille d'évaluation qui vous permettra de juger de cette vitesse maximale aérobie. Donc, c'est un test qui se passe en 30-15, entre guillemets, et vous avez 30 secondes de course, 15 secondes de repos, et vous devez naviguer entre trois lignes A, B et C qui sont représentées par les lignes de votre terrain de hand, donc les lignes de fond et la ligne médiane, et vous devez passer au niveau des bips, au niveau des repères de ces lignes-là. Voilà. Et plus ça va, plus la vitesse des bips augmente, et plus vous avez de distance à parcourir. Donc le début du test commence à 8 km/h et puis il va jusqu'à 20, 23 et demi ou 24, je sais plus. Voilà. Et donc ça vous permet de quantifier la puissance, la VMA de vos joueurs. Donc ça, c'est un premier test. Et puis après, vous avez toute une batterie de tests, vitesse, d'explosivité, Souplesse. de On a dit. souplesse, Ouais. d'explosivité des jambes, de puissance du haut du corps. Et tous ces tests vous permettent d'identifier les forces et les faiblesses de chacun. Donc après, vous pouvez répertorier ça sur un petit tableau. Et ça vous produit en fait une toile d'araignée. Et cette toile d'araignée vous permet de voir si vous avez un gamin qui est très fort en endurance, par contre en souplesse, il n'est pas bon. Et ça vous permettra de mettre en place un certain travail spécifique pour les faiblesses de chacun. Voilà. Alors après, c'est assez fastidieux, c'est long, ça nécessite pas mal d'investissement, mais ça me semble judicieux, opportun.
Moi, ça fait quelques temps, c'est moi qui ai créé ce petit test. Après, vous pouvez en créer d'autres. On l'a déjà partagé l'année passée. Philippe l'a utilisé, il pourra peut-être avoir un avis un peu moins orienté que moi là-dessus, savoir s'il est, il est intéressant ou pas. Il me semble, mais bon, c'est lui qui vous dira. Et puis, ouais, ça permet d'identifier pas mal de choses. Oui, et puis enfin, de toute façon, effectivement, je ne suis pas objectif non plus, puisque moi, je suis un fan de tout ce qui est évaluation et puis de pouvoir faire des points d'étape. Et effectivement, l'intérêt de ce des tests proposés justement dans le cadre du programme, c'est que ça permet de faire voir les évolutions à un moment T. Donc effectivement, de faire un test en début de saison, de le faire en milieu et de le faire en fin de saison. Et là, clairement, avec mon co-coach, on a prévu nous une batterie de tests dès la semaine prochaine pour pouvoir faire un état post-Covid avant de refaire les tests nous après au moment de la reprise en août. Donc voilà, on va les multiplier pour avoir cette image joueuse par joueuse et pouvoir effectivement derrière adapter en partie l'entraînement à chacune quoi. Donc, en tout cas, voilà, moi, je suis un grand fan de l'évaluation, de toute façon, pour savoir, on ne peut pas, à mon avis, progresser si on ne mesure pas la progression. Donc, voilà, c'est un avis personnel. Mais en tout cas, c'est primordial pour moi et c'est pour ça que, Alors, effectivement, je trouve que les tests sont. après, pour rebondir là-dessus, sur les tests et tout ça, ça vous permet aussi de quantifier le progrès et ça vous permet aussi, ces tests-là, d'aborder entre la préparation mentale de vos joueurs. Parce qu'avec ces tests-là, vous pouvez fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Et travailler sur certains aspects. On a en préparation mentale ce qu'on appelle la fixation d'objectifs et l'optimisation de la performance. Et on peut travailler ça en quantifiant et en développant certains points sur une unité calendaire, par exemple, le physique, les techniques, la tactique et le mental. On peut déterminer les points à travailler de chacun et se dire, par exemple, ouais, ça c'est acquis, ça c'est non acquis, ça c'est en cours d'acquisition, ça a été vérifié et assimilé. Et ça nous permet, tout ça, tous ces petits tests-là, de déterminer de façon très pointue les objectifs de chacun et surtout de les réguler. Et en cette période où chacun était privé de repères, je pense que c'est d'autant plus important. Donc, Et on n'est pas dans des objectifs de performance, mais on a des objectifs de réussite et de tâches à réussir. Ce qui peut être aussi motivant. et puis on est aussi effectivement, enfin ça c'est l'objectif, dans la prévention des blessures, surtout Tout à fait. après, voilà, après ces moments particuliers. Ce que je vous propose, c'est que de toute façon, moi je vous enverrai un petit mail après le webinaire pour vous renvoyer le lien du replay et puis je vous ferai la présentation du programme dedans. Vous aurez un petit lien pour pouvoir voir le programme de préparation physique qu'on vous propose. Hein. Donc voilà, dans lequel il y a effectivement quatre documents. Il y a le programme de 22 semaines complet. Il y a un document, un PDF des 8 premières séances individuelles que vous pouvez envoyer directement à vos joueuses et joueurs. Il y a le fichier audio du test de Bucheit et surtout, il y a aussi le fichier Excel qui permet de regrouper tous les résultats des tests que vous allez faire et qui vous permettra de faire directement les graphiques joueuse par joueuse. Mais tout ça, je vous envoie les détails dans le petit mail que je vous envoie. Je vais demander à Christophe, suite à vos nombreuses demandes dans le chat, si on peut joindre le PowerPoint d'aujourd'hui, les slides aux gens qui étaient présents là aujourd'hui. Donc ça, on va voir avec Christophe. S'il est OK, je vous le mettrai dans le mail. Et donc, du coup, ce que je vous propose là pour terminer, alors on peut dépasser un petit peu, je sais pas ce que tu en penses, Christophe, mais Ouais, moi de j'aime bien. laisser les micros ouverts pour des questions en direct. Voilà, on pensait faire un quart d'heure de questions-réponses. Voilà, si. Donc, si vous avez des questions à poser en direct à Christophe ou à moi, n'hésitez pas. Ouvrez votre micro. Allez, on s'accorde. Allez, on va dire 5-10 minutes de questions, réponses en direct, comme vous voulez. Voilà, l'objectif, c'est d'échanger un peu, de faire part de vos expériences. Voilà, n'hésitez pas. On peut ouvrir le micro, on peut ouvrir la caméra aussi, hein, quand on pose la question. C'est quand même plus sympa de s'adresser aux personnes qu'on voit.
Donc, Si, si c'est c'est ça. jouable. Donc, n'hésitez pas, hein, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'est top, c'est qu'on a été super. Bon, ce serait, je Ouais, pense soit on était qu'on super, soit j'ai pas été bon, mais bon. a des choses. Là, je préfère voir le positif, hein. Ouais. Donc, donc il y a, oui, donc Nico qui a pas de question et donc il repose sa question. Vous parlez de prophylaxie. Quels tests mettez-vous en place? FMS, équilibre, asymétrie. Ah voilà, donc par exemple, moi je parlais des genoux, hein, les genoux en X sur une réception, donc ça c'est au niveau de la prévention des blessures, c'est super important. Donc c'est des choses qu'il faut vérifier, identifier. Donc après, comme je disais, tout ce qui est proprioception, moi je le fais travailler dans un premier temps en statique chez les plus jeunes, hein, enfin, et après on peut mettre de la résistance avec une toute petite charge, hein, par exemple mettre un plot, on travaille, voilà. Et puis aussi avec des petits élastiques, créer une résistance, un étirement, un déséquilibre et lutter contre ce déséquilibre. Voilà. Mais effectivement, la symétrie, garder la symétrie verticale et horizontale est assez importante. Alors après, il faut faire attention. Après, c'est assez complexe, mais on a des asymétries plantaires, par exemple, avec des pieds creux, des pieds plats, voilà, c'est assez complexe après. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce que Nico, ça répond à ta question? Elle était plus sur le dispositif pour déceler les soucis en prophylaxie. Alors, les soucis, donc moi je vois que juste, il y en a plein d'autres, hein, mais là pour parler, c'est les genoux antivalgus, par exemple sur réception, avec vraiment ce genou qui vient ces genoux qui viennent s'entrechoquer sur une réception de saut. Donc ça, c'est des choses à corriger sur une par exemple sur un squat même sans charge, ne pas faire descendre les genoux. En amont devant la pointe des pieds, par exemple. Hein, donc on descend les fesses, mais les genoux ne doivent pas dépasser la pointe des pieds, des choses comme ça. Ouais, et là, justement, est-ce qu'il y a des tests autour de ça, tu vois, Ah, pour. il y a des tests, là j'en ai pas sous la main, mais c'est juste de l'observation qu'il faut mettre en place. Hein. Sur une réception, vous montez vos gamins sur un plot. Un plinth, par exemple, vous lui demandez de sauter en contrebas, vous voyez si à réception, il y a cette flexion interne des genoux, et auquel cas, il faut corriger et mettre l'orientation des pieds, tout ça, essayer de travailler tout ce qui est renforcement des quadris. Voilà. Donc, c'est de l'observation. La mauvaise gestuelle est souvent observable. Alors après, il faut, entre guillemets, avoir la compétence à juger un mauvais geste. Alors, bon, il y a des gestes de lancer, de positionnement du bras, par exemple, de réception de saut. Quand on va faire un saut, on oriente sa pointe de pied vers la cible à atteindre et pas en travers. Quand on veut faire un débordement, on sait qu'il faut basculer la hanche en arrière. Alors ça, c'est assez compliqué à travailler quand c'est pas naturel, mais il faut ouvrir sa hanche, entre guillemets, du côté où on veut déborder. Ça veut dire qu'il faut reculer un pied. Enfin bon, il y a plein de petites choses à observer qui sont identifiables. Et ça, je vous laisse le plaisir de regarder. Il y a diverses sources qui vous permettent d'identifier ces choses-là. Il y a Anthony qui demande dans le programme, la place du ballon, elle se situe où? La place du ballon. Bon, on ne joue plus au ballon maintenant. Avant, Non, t'as le toujours handball, ça fait deux. et t'as essayé de Anthony. recentrer la question. Vas-y, Anthony, Anthony, on joue plus peut-être handball. Ça fait 2 ans qu'on joue plus handball. Maintenant, on fait de maintenant. l'athlétisme. Non, Bonjour, la place du ballon, tu peux la mettre du début
début de tes séances. Ta motricité, tu peux la faire avec ballon. Ouais, c'est ça mon. Hein, les gamins, les même les plus anciens, ils ont envie de jouer au ballon, ils ont envie de se mettre des impacts. Alors maintenant, on a le droit, ça y est, les seniors vont bientôt avoir le droit de se mettre des brins, ils sont contents. Mais bon, ils avaient plus le droit à toutes les oppositions, qu'elles soient attaquants-défenseurs ou même attaquants-gardiens. Donc, si en plus de ça, on les privait de ballon, c'était compliqué. Donc moi j'ai décidé très tôt de leur laisser le ballon. Hein. Je les ai jamais privés de ballon. Et tous les exercices de motricité, de renforcement musculaire, tu peux les faire avec ballon. Hein, il y a beaucoup de travail d'athlétiste. Un talon-fesse, la dissociation segmentaire, talon-fesse avec un rond de bras, voilà, t'es obligé d'avoir le ballon en main. Du renforcement musculaire, tu peux faire des pompes avec un ballon, une main sur le ballon, du coup, tu travailles la ceinture scapulaire. Enfin, le ballon est au cœur de notre activité, donc à mon sens, il faut pas l'enlever. Ou le moins possible, tout du moins. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Anthony. Non, si, totalement. Enfin, moi, c'est ce que je fais sur mes seniors. Hein. J'ai repris vendredi dernier en salle. Et mes seniors filles, tout de suite, elles ont fait du ballon. Tu as une première partie, ce que je mettais tout à l'heure, je fais une première partie avec un petit circuit training pour commencer à remobiliser un peu, tu vois, et qu'elles seraient habituées à faire un peu d'effort. Mais après, tout de suite, dans la séance, je mets du travail passeur-réceptionnaire et de la séquence de shoot, quoi, pour que tout de suite, elles retrouvent des sensations avec ballon. C'est ça Voilà. mon idée de Et l'action bon, au pour moment. rebondir à ce que tu dis, il y a des choses qui ont été produites par la Ligue Nouvelle-Aquitaine par rapport à ça, des exercices de handball à 4, de sandball, enfin de beach, pardon, excusez-moi, de Ouais, beach. c'est Vincent, je vais. Et ces exercices sont très intéressants, ils sont exploitables même pour le handball à 7. Au niveau de la motricité, par exemple, tu mets trois joueurs entre guillemets face à face, dos à dos, et lancer la balle après avoir fait une demi-volte, enfin des choses comme ça, tu travailles déjà la motricité, quoi. Et c'est pas spécifique, c'est pas spécifique au beach, quoi. Ça permet aussi de, par exemple, un pivot qui reçoit le ballon dos au but, hop, il fait sa volte en l'air, il tourne, il se retrouve face au but. Voilà, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Et moins on privera les gens de ballon, plus on leur donnera de la motivation. Il y a Claude qui pose la question pour les gardiens de but. Alors, les gardiens de but, effectivement, on pourrait faire quelque chose de spécifique. À mon sens, alors bien sûr, ils sont, entre guillemets, ils sont un petit peu particuliers, les gardiens de but, et j'en serai pour preuve que j'en suis un. Mais Plus alors. non, mais je veux dire, il faut pas les sortir du groupe. Je pense que pour l'instant, faire une prépa, entre guillemets, de joueurs de handball, hein, entre guillemets, de tous les joueurs de handball, c'est bien. Et après, peut-être qu'en cours de saison, oui, il faudra réintégrer des spécificités pour le gardien de but et l'intégrer, bien sûr, en tant que joueur un peu particulier à nos séances mises en place. Mais dans un premier temps, à mon sens, c'est mon point de vue, il faut pas lui donner un entraînement spécifique, qui soit déjà en capacité de reproduire ce que font les collègues. Et puis après, bien sûr, on peut dedans travailler sur des motricités spécifiques, des résistances. On peut lui faire le mettre en posture gardien de but, lui demander de lever une jambe et au lieu de la lever, enfin la mettre en arrière, par exemple, de faire une planche comme on peut faire en gymnastique pour les joueurs de champ, on peut lui demander de travailler sa proprio en levant la jambe comme sur une parade de gardien sur le côté, quoi. On lui demande de lever les bras, de lever une jambe et de garder cette stabilité. On peut créer un déséquilibre en lui appuyant sur une épaule, mais on se doit, enfin pour moi, on se doit de le garder au cœur de la séance avec tous les collègues, quoi. Ok, donc là,
Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Claude. Donc je vous propose qu'on s'arrête là. Voilà, ça, on a fait 10 minutes de questions. On est un peu, voilà, on a un petit peu dépassé l'heure prévue initialement. En tout cas, moi, je te remercie Christophe pour avoir fait ce webinaire qui me semble super intéressant et super important, en tout cas dans les conditions dans lesquelles on est. Et je crois que cette reprise, elle est absolument pas à galvauder, loin de là. Et il faut aussi peut-être s'en servir pour se transformer entre guillemets ou essayer de faire les choses vraiment différemment. En tout cas, je remercie tous les présents, tous ceux qui sont inscrits. Vous étiez très 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 nombreux, donc ça c'est vraiment chouette. Christophe, je te laisse le mot de la fin. Et puis donc je vous envoie un petit mail avec les détails du programme si ça vous intéresse. Et puis on se revoit bientôt. Alors j'en profite quand même, je fais la pub 2 secondes. Je ne sais pas si vous aviez assisté à la première édition des Handdays fin février, mais je vous annonce la deuxième version qui est prévue pour la rentrée, pour la reprise, et donc elle aura lieu le 4-5 septembre. Donc réservez déjà tous votre date. Je pense qu'on va avoir un super programme. En tout cas, voilà, moi je suis vraiment très content de créer ce genre d'événement. Et en tout cas, voilà, donc 4-5 septembre, les Handdays numéro 2, toujours en ligne. Il y a une version en présentiel en préparation, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de votre participation. Bonne reprise. Et surtout, voilà, Christophe, je te laisse le mot de la fin. Encore merci à vous. Eh bien, moi, je vais vous remercier déjà d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère avoir répondu à vos attentes. Et si vous avez des questions sur ce que je vous ai proposé, je reste joignable. Hein, j'ai une adresse mail, donc si vous voulez la noter ou si Philippe la transmettra peut-être. Ouais, dans le mail, je la mettrai dans le mail. Et ah non, puis, tu mettras mon adresse dans le mail. Si les gens ont des questions ou s'ils veulent échanger sur d'autres problématiques, hein, qu'ils n'hésitent pas. Hein, je reste. Alors, je vous dis pas que je répondrai instantanément, mais je prendrai le soin de répondre aux questions, aux interrogations que vous pouvez faire, ou on pourra échanger sur d'autres points de vue si vous voulez. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout une bonne reprise, en espérant que les licenciés reviennent vers nous et qu'on puisse leur proposer l'activité qui nous tient tant à cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis au plaisir de vous voir début septembre. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir. Ouais, ciao, ciao à tous.